On est dans l'espace d'exposition de l'exposition de Terre et d'Argile, organisée par le ministère de la Culture dans le cadre de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Cette expo s'est ouverte le 19 du mois de novembre 2011 et on va la clôturer le 14 janvier 2012. Dans le cadre d'une sortie organisée par notre faculté, faculté des sciences et techniques de Mostaganem. Donc on est venu voir cette exposition. Et puis je trouve ça vraiment intéressant et c'est bien fait. Organisé avec un grand brio d'ailleurs, puisque tout ce que nous voyons ici est d'une qualité absolument remarquable pour valoriser cette architecture de terre, pas seulement en Algérie, mais aussi dans le monde entier. Cet événement est un événement de caractère culturel. Et en même temps, donc, il relie l'Algérie à l'ensemble du monde, à l'ensemble de ses traditions constructives et architecturales, où la terre crue a donné un patrimoine tout à fait remarquable, tel que d'ailleurs il est présenté aussi dans sa dimension du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans cette exposition. Et cela véritablement me ravit de voir que l'Algérie devient un pays maintenant à nouveau à la pointe de cette valorisation de l'architecture de terre. Dans l'espace principal de l'exposition, que nous avons voulu être un open space, dans lequel on a quatre sous-espaces principaux. Sur ma gauche, nous avons l'espace universalité, dans lequel on montre en fait que ces architectures, les architectures de terre, sont des architectures universelles qui existent depuis toujours et sur tous les continents. Ensuite, derrière l'espace universalité, nous avons un espace lecture dans lequel les visiteurs de l'exposition peuvent avoir accès à des ouvrages spécifiques aux architectures de terre et au patrimoine pour pouvoir, s'ils le veulent, approfondir leurs connaissances dans le domaine. D'autant que nous avons reçu beaucoup d'étudiants, ceux des départements d'architecture de Tlemcen, de Mostaganem
et d'Oran sont tous venus sans exception. Donc c'est essentiellement à eux qui est dédié cet espace pour pouvoir parfaire leur connaissance du domaine. Ensuite, nous avons sur ma droite, en haut, l'espace diversité des architectures de terre, dans lequel nous faisons découvrir aux visiteurs différentes techniques de construction en terre. Nous avons choisi les plus importantes, les plus connues dans le monde, qui sont la daube, le pisé, le torchis et la bauge. Un passage par l'espace modernité des architectures de terre, qui est à mes yeux un espace très important, dans lequel les visiteurs peuvent découvrir qu'aujourd'hui, à travers le monde, et en particulier dans le monde occidental, des architectes utilisent le matériau de terre pour réaliser des constructions ultra contemporaines en terre, totalement inscrites non seulement dans le siècle, mais au-delà encore, qui sont vraiment à l'avant-garde de la production architecturale contemporaine. Finalement, un dernier espace qui est l'espace Rousseau, le protégé d'Algérie, également un espace très important pour nous parce qu'on y montre cette année 12 Rousseau, une sélection de 12 Rousseau des différentes wilayas d'Algérie et qui vont des Aurès avec un Rousseau comme celui de Mdechala en fait, on dit dans les Aurès, comme celle d'Amantan par exemple, jusqu'au extrême sud, avec des ressources par exemple de la région de Timimou et d'Adalaj. Finalement un dernier sous-espace qui est un espace de projection dans lequel les étudiants et les visiteurs pourront découvrir deux films dédiés aux architectures de terre, un qui s'appelle Les Révolutions de la Terre et un qui s'appelle Les Nouveaux Habits de la Terre, qui ont été réalisés par François Le Bayon, qui est un réalisateur de films documentaires sur ce sujet. Voilà. Et qui montre justement à quel point ces architectures sont des architectures d'avant-garde. De estar acá en la exposición de Argelia por la reunión de artesanos, arquitectos, constructores y pensadores de la construcción y de la arquitectura en tierra. Es muy emocionante ver el montaje, ver la preparación y ver la cantidad de imágenes que representan el patrimonio mundial en tierra y estar presente con mi trabajo. Thank you.
À Marlounas, je suis venu avec ma maman, qui est guardia. Et donc, elle est potière, une des dernières potières du village. Donc, nous travaillons sous forme d'atelier, de workshop avec des gens qui viennent du Burkina Faso, du Ghana, de Timimoun, de Mauritanie et de France, du Chili aussi. My name is Francis Boateng, and here is my colleague, Lawrence Asare. We are from Ghana. We were invited by the Ministry of Culture in Tlemcen, sculpting some figures about our culture, particularly Ashanti. There's a tribe called Ashanti in Ghana. And we are demonstrating some of the motifs, some of the designs that we put on our buildings in Ashanti. Yes. À
عبد القادر ناقة بن محمد من مدينة تيميمون، ومعي زميلي ومن نفس المنطقة الأخ العريفي محمد بن عبد الله، ونحن مختصين في الفن التقليدي وخاصة الزخرفة على الرمل وعلى الطين وعلى المختلف الأطربة والحجارة. Ce type d'exposition est un outil pédagogique extraordinaire puisqu'il met en contact non seulement la population en général, donc c'est une façon de sensibiliser la population par rapport à ce genre de patrimoine. Deuxièmement, c'est ouvert aussi à nos étudiants inscrits en architecture qui semblent un peu divorcés de ce genre de pratique. Et essentiellement en matière de savoir-faire local. Comme vous avez remarqué, l'exposition, que je considère une réussite, dans la mesure où il y a un éventail assez large de suggestions, de propositions et d'exemples à travers l'Algérie, essentiellement, et à travers beaucoup de pays amis, où la teneur des travaux présentés, quand même, est de haute facture. C'était de promouvoir le patrimoine architectural bâti en terre en Algérie. Et pour réussir à promouvoir ce patrimoine, on considère qu'il faut promouvoir le patrimoine bâti en terre dans le monde et également les architectures contemporaines en terre. Pour nous, c'est extrêmement important que les gens comprennent que la terre est non seulement un matériau du passé, mais que c'est également un matériau du présent et qui a un avenir radieux.
but, c'est de vous montrer à vous d'abord, parce que vous êtes mon public cible. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse le plus quand je monte ce type d'événement, c'est de toucher les futurs acteurs de la construction et de la prise en charge du patrimoine. C'est vous, les étudiants en architecture. Mon but, c'est de vous montrer que c'est un matériau à part entière, qu'on utilise depuis des millénaires et qu'on peut continuer à utiliser aujourd'hui et demain. Ça, d'une part. Et puis, surtout, de vous montrer qu'on a un magnifique patrimoine bâti en terre en Algérie, sur tout le territoire, pas seulement comme vous avez tendance à l'imaginer dans le sud. Je pense que vous imaginez que les architectures de terre, c'est Sahara, c'est ça, non ? À l'origine. Là, vous avez pu voir, là, vous avez à votre droite, par exemple, des Rsour, des Aurès. On a un peu de mal à l'imaginer, ça. Se dire dans les Aurès, il y a des Rsour en terre, en adobe. En taupe, dans la tête des étudiants d'architecture, c'est vraiment lié au sud. C'est là où il ne pleut pas. Et pourtant, vous voyez, là où il pleut, là où il neige, eh ben, il y a de l'adobe. Bien sûr, non seulement ça tient, mais ça a toujours tenu. C'est-à-dire, ce qui est très important pour moi, c'est que les étudiants en architecture comprennent que c'est un matériau à part entière qui, avant l'ère industrielle, était le seul matériau, avec le bois et la pierre évidemment, de construction au monde. On a toujours fait avec. Aujourd'hui, on a réussi à nous faire croire que ce n'est pas un matériau viable, que ça fond sous la pluie, que ça ne résiste pas au tremblement de terre, que c'est le matériau des pauvres, un tas d'idées fausses comme ça. Et mon objectif, c'est que vous compreniez que non, c'est totalement faux. Alors, ces idées fausses, c'est juste pour un marché, c'est leur produit. Leur produit industriel. Absolument. La triste réalité, vous avez parfaitement compris, oui. C'est l'économie qui le veut. Vous avez pu voir l'exemple de Shiban, par exemple, au Yémen. Vous avez vu ce que c'est ? R plus 10. Ça va jusqu'à 10. R plus 10, ça veut dire les premiers gratte-ciel de l'humanité ont été construits en terre crue, ya Ebed Rabbi. De la terre crue. Donc il y a aucun. Mais bien sûr. Mais moi, bien sûr, on peut construire des grands équipements, bien sûr. D'autres l'ont fait avant nous et nous aussi on peut le faire. Il n'y a aucun souci. Vous savez, nos ancêtres, quand ils construisaient, ils utilisaient leur bon sens. Il faut que nous, on revienne à ça, le bon sens. Il faut faire des efforts. Mais voilà. Moi, j'espère que vous avez compris aujourd'hui, au moins que vous pouvez réfléchir à utiliser ce matériau, que vraiment, il n'a que des avantages. C'est la première fois qu'on organise déjà des sorties entre wilayas. Et parce que si, comme Tlemcen est la capitale de la culture islamique, ben c'est un événement qui est propice et ça tombe bien. Et c'est vraiment instructif.